Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, vous êtes là. J'espère que vous allez bien, donc on va découvrir Art School aujourd'hui, puisque ça fait quand même longtemps que j'avais envie de découvrir ce jeu qui était un petit peu... qui avait l'air un petit peu perché, on va pas se mentir. Je l'avais découvert dans un Nintendo Direct, sauf que du coup, les viewers n'ont pas voté pour, je ne sais plus avec quel jeu il était en concurrence, mais remarque, on pourra le chercher vite fait sur Discord. Où est-ce qu'on fait des recherches? On fait des recherches ici. Art School. Il était en concurrence avec. Alors, par contre, j'aimerais bien qu'on me laisse accéder. Voilà, à l'ascenseur. Five Dates! Il est en concurrence avec Five Dates. On va voir si c'était vraiment un bon choix. Bref, go. Alors, il était en concurrence avec d'autres jeux, bien sûr. Hein. Il y avait Maestopia, il y avait Jet Pin et il y avait je sais plus quoi. Alors les contrôles. Zoom, Painting Mode, L Button. Painting. D'accord. Music off, on off, camera change, infinity jump, précurseur. Ok. Est-ce que vous entendez la... Moi, j'entends pas du tout la musique. Est-ce que si jamais j'active, désactive, ça marche? Non. Oh, faut toujours passer par les paramètres avancés de. Les paramètres audio avancés d'OBS pour que moi je puisse entendre. Voilà. Là, j'entends. Freshman, welcome back. Let's see what were we working on. Checking database. Oh, that's right. Draw your earliest memory. Donc votre souvenir le plus ancien. Well, hope to bring your finished artwork to my office when it's ready. Thanks, Freshman. Dessinez votre dernier souvenir. La nuit que j'ai passée, on va dire. Pas ce que je voulais faire. Bah, doit y avoir une gomme quelque part, non? C'est bien, ça démarre bien comme jeu. J'ai l'impression que le son du jeu n'est pas très fort par contre. Ah non, c'est mon son, c'est le son dans mon casque qui était pas très fort. Chez nous, c'était très bien. Ouais, non, c'était mon casque. Bon, là, j'ai la molette à fond sur le casque. Comment j'ai tout foiré à la toute fin? Merde. C'est quoi ce point? On s'en balèque du point. Putain. Ok, j'ai une idée de comment faire. Là. Là. Voilà.
simple de dessiner au joystick, n'est-ce pas? Je dis, je fais Linktober là-dessus. J'essaie de reproduire un petit peu la chambre avec le meuble qu'il y a juste là-bas. On va dire que c'est bon. Je disais donc, on va dire que c'est bon. Contrôler la musique. C'est ça l'infinite jump? Oh. Genre personne dans le lit. Oui, bon, j'avais pas envie de me dessiner moi au joystick. Hein. Attends, il fallait se jeter dans le vide pour qu'il analyse notre truc. Draw 3. Hein? Quoi? Dessine trois choses qui sont opposées l'une de l'autre. Je regarde un petit peu les différentes caméras qu'il y a. Putain, c'est moi à chaque fois. Le bouton L, en fait, ça fait apparaître ça. Être un peu spécial, hein. Qu'est-ce que c'est? On explore un petit peu. Il me semble qu'il y avait des questions d'explorer le monde pour trouver des trucs ou des trucs comme ça. Tu valides ce dessin de toi. Ah. Je valide, c'est bon.
Parfait. On dirait un héros d'yaoi. Ça me va très bien. Le dessin, il est même plus beau que lui. Hâte de voir le résultat final du coup. Parfait. Là, je suis mort. Ah, d'accord. Attends, quoi? Bon, ok. Ouais. Oh putain. Ah, mais la caméra, elle est dégueulasse par contre, hein. Qu'est-ce que tu veux faire avec cette caméra? Je pense qu'on va aller relativement rapidement sur... Mais putain! On va aller relativement rapidement sur, sur Animal Crossing, bien sûr. Sur Immortal Phoenix Rising, hein, je sens. D'autant que je sais même pas où est-ce qu'il faut aller pour aller... Enfin, si, du coup, apparemment, il faut se suicider pour avoir des notes, quoi. Ça n'a aucun sens. Ce jeu a l'air trop expérimental. Non mais clairement. En fait, c'est vrai que je m'attendais. Alors, je m'attendais à ce que ce soit un truc dans le style, tu vois. Mais au moins qu'on soit un minimum, je sais pas. Je m'attendais à ce que ce soit un jeu avec tout ce qui est design expérimental. Mais qu'à côté, il y ait un petit peu plus de logique dans le monde, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, t'es censé être dans une école d'art, si j'ai bien compris. En fait, le truc, c'est que pour l'instant, je ne vois pas d'utilité au monde extérieur. C'est-à-dire que tu fais ton dessin et tu te jettes dans le vide pour avoir une note et passer au dessin suivant. Pour l'instant, c'est de ça dont il a l'air d'être question, en fait. Dessiner trois choses qui ont l'air opposées les unes entre elles. Écoute, on va... On va s'inspirer de Zelda. Et on va faire les emblèmes des princesses. Déjà, je m'inspire un petit peu de mon logo, il y a les images. Hein. Dessiner au joystick. Ça le fera. Il n'y a pas de remplissage, c'est ça le remplissage? Ça a l'air d'être ça. Et on salue Tyraxis. Après,
Alors, pour le rouge, on va prendre ça, hein. Pour ce qui est de l'emblème de Dean. On dirait un spermatozoïde. Je vais mettre le plus et le moins, l'homme et la femme, l'eau et le feu. Mais il faut trois choses. Draw three things that are opposite of each other. Nul. Ça le fera. Je pensais trois choses de deux. Ah. Ah, moi j'ai compris ça comme ça. Après peut-être, hein, mais. Ouais, du coup, je sais pas. Ouais, bah en fait, je me dis des choses. Enfin, trois choses qui sont. Trois choses qui sont opposées, c'est un petit peu raccord avec la nature un peu expérimentale du truc. Oh putain. Je suis un petit peu trop pressé. Faire ce dessin, peut-être encore un dessin après ça pour être sûr d'avoir une bonne vision. Ouais, mais par contre, ça va pas aller là si je fais que de la merde. C'est un problème en fait, à chaque fois, à la fin du trait, je vais beaucoup trop loin. Vous voyez ce que je veux dire? Je fais ça à chaque fois. Vous savez quoi? On va valider ça comme ça. Juste, on va tout remplir. C'est que le cas. Ah, vas-y, analyse, analyse. Oh! Il est très beau ce dessin. Bon. Drum something that makes you smile. Oh! Qu'est-ce que c'est? Je suis en roue libre. Ce qui me fait le plus sourire, c'est un sourire. Ah, qu'il est beau ce dessin. Merci pour le GG, Yupsi.
Attends, il y a un arc-en-ciel en plus. Ça c'est pour faire... Ouais. Vas-y, on va le laisser comme ça, ce dessin. Il est très beau comme ça. Je suis sûr que vous pensez pareil. Sais pas si vous avez... noter qui est quand même chaque enfin, moi, je pense que c'est pas difficile à noter, mais ah, on peut marcher sur le nuage, on peut marcher sur le nuage, c'est-à-dire qu'on peut aller là. Ah ben non, c'est un peu trop loin. Draw something of the plant life you see on campus. Quelque chose qu'on voit au campus. Beaucoup de non-sens. On voit la forêt des pénis là-bas. Bah, remarque, on va faire ce dernier dessin et puis je pense que pour ce soir, on aura assez fait, hein. Au premier plan, on va mettre cela. Franchement, quel talent. Oups. Qu'est-ce que je fais de ma vie? C'est vrai qu'on le voit très souvent ça sur le campus, je trouve. Tu sais quoi? Il est temps de passer à Immortals. Oui, talent. Ah bah franchement. C'est incroyable. Je ne pensais pas être aussi mal noté. With that using reference, draw a bicycle. It's very hard and may take several tries. Vas-y, on va essayer de faire ça. Ça, je vais m'en sortir. C'est pas vraiment ce que j'avais dans l'idée.
Oups. Le jeu semble pas. Le jeu est vraiment pas ouf, je trouve. Ouais, non, mais c'est pour ça qu'on va. Je m'attendais à un truc un petit peu plus. Between 1 and 50 and draw many birds. Tu sais quoi? Très simple. Voilà, je t'ai dessiné un oiseau de loin. Mais ouais, je m'attendais à un truc un petit peu plus fun en soi. Enfin, tu regardes l'esthétique qui avait l'air complètement barré. Je m'attendais à un truc un peu plus fun. Même le. Ils avaient fait une chanson et tout. Vas-y, analyse. Qu'est-ce que je me suis fait chier avec mon C là? Heureusement que je l'ai payé qu'un euro. Ah. Dessine quelque chose que tu as jamais vu. Dont tu as entendu parler, mais que tu n'as jamais vu. On va pas le faire. Hein? Il est temps de. Il est temps de se quitter. Enfin, il est temps de. D'arrêter ce jeu. Et Stoukou, Edel, comment tu vas? Edel est de retour, comment tu vas? On se met sur sur Immortals. Parce que contre toute attente, Art School, c'est pas si ouf. Je vous laisserai voir la VOD du coup si jamais elle vous intéresse. Je m'attendais à un truc un peu plus fun que ça. Là, ça te donne des trucs peut-être un petit peu barrés, des sujets de dessin un petit peu inattendus, on va dire. C'est même pas barré quoi. Mais ensuite, je vois pas l'utilité déjà d'avoir le monde. Le seul moyen que j'ai trouvé pour faire évoluer mes dessins, c'est de me jeter dans le vide. Je ne l'ai pas montré. Non, du tout. Voilà, normalement j'ai changé toutes les infos du live. Faut que je change la cartouche, faut que je change le layout. Ah. Faire évaluer ses dessins, vraiment à se suicider. Ouais. Enfin, j'ai trouvé nulle part comment faire évaluer ces dessins sinon. La gagne est raide, on passe sur un vendredi prochain. Nice! Je vais souvent le faire du coup. Oh mon dieu. Non! Ah, le voilà. Je suis con, j'allais remettre la cartouche. C'est la cartouche Skyward Sword qui est à l'intérieur. Ok. Ah tiens, au passage, merci d'avoir regardé YouTube et à bientôt. Parce que voilà, j'ai oublié d'arrêter l'enregistrement. Like et commenter, partage, bien sûr, pour Art School. Ciao.